Un petit mot, il est pressé là, il doit prendre en Auvergne. Un petit mot pour le Canada. Ça fait trois fois. Et alors, c'est-à-dire qu'il reste encore plein de choses à découvrir, c'est ça? Bah oui, il faudrait qu'on aille au Canada alors. Bah, toi de nous éviter. C'est déjà fait. Il va nous dire un petit mot. Allô. D'accord. Oh là non. J'aimerais que tu me rendes mon canet. Non mais je vais le prendre. Non, c'est à moi. Non, non, non. Bon, c'est tout. Ne me grossis pas toi avec le zoom s'il te plaît. Bah te grossis pas. Là, là, mais c'est pas. Merci. Merci. Non, enfin, moi je coupe, on a le droit. Par contre, faut avoir du recul. Ça merde, quoi. Ça va que c'est un 16-9e. Mais je t'emmerde. Il a le même problème que moi. Non, mais en fait, c'est qu'un stop, hein, c'est de la merde. On l'a pris 27 ah bon. Euros 94, mais je vois que j'ai. Eh oui, nos amis, s'ils nous entendent. À la Wagba. Mais non, pas la tête, Israël. Ah oui. Ben nous aussi, on a nos quotas en France. Émotion. Quota de la soirée, c'était lui. Émotion. Allez, un petit mot. Allez, Delphine, montre-nous ton plus beau profil. C'est pas dit. Malgré les rumeurs, les rumeurs circulent. Bon, Jo, Jocelyne, un petit mot. T'es pas calme. Non, c'est pas chiche. Oh, 2007, c'est, chiche. Hein. C'est bien parti. Hein. Ou 2008, 2009. Un petit mot canadien. Un petit mot canadien. Bah, bonjour, c'est déjà passé, j'ai fait la voix Camol dedans. Ah. Et t'apprends une chanson de Céline Dion bientôt alors. Oh, il n'y a pas que Céline Dion, arrêtez. Ça te fait rêver, hein. C'est bon. Hein. Pourquoi les blancs comme ça sont. Les fags, on s'amusait bien. Allez-y les filles, lâchez-vous là. Non, c'est le rouge. Vas-y, tu ondules ton corps, vas-y. C'est le rouge qui l'excite à mon avis. Donc. C'est ça que tu l'as mis en Père Noël, non? La cabane au Canada. Ah ben. La cabane au Canada. Tu dis un petit mot? C'est bon, tu rentres, j'ai dit 16-9e. Un petit mot canadien? Je ne peux pas prendre l'accent canadien. Non, on ne te demande pas de prendre l'accent. J'aime bien les français. On est bien en français. On est bien. Un petit mot en anglais, je sais que non. Tu es très bon en anglais. I like the French. Bon, au revoir. Hein. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Et j'ai réussi à parler anglais, j'ai l'accent canadien. C'est une journaliste, c'est le premier. Gaël. Séquence cigarette. Oh, le sourire. Un petit mot pour le Canadien, pour le Canada. C'est bien. Oh merde, ne tiens qu'à toi. Bon. Tu viendras me voir? Oui. Merci. Yannick? Oui. Alors, un petit mot? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Ah, vive l'innovation! Vive l'informatique et l'innovation. Ça te gonfle, mais. Ça me gonfle. Mais c'est ton métier, voilà. En même temps. Tu vas en faire un peu d'innovation chez les caribous? Oui, oui, alors, bah, on verra. De corde de caribou. Alors, ils peuvent aller voir mon CV sur thelaurent.com. Il y a un petit peu de monde derrière, pardon. Et puis voilà. Oh non, quoi te dire. Moi je viendrai, ça c'est sûr. Tu viendras. Ah, ouais, ça, c'est promis. Promis, je vais. Ah. Dès que possible. Fais gaffe, hein, j'ai une preuve hein, là. Ah mais je. Non, j'ai pas de problème, hein, pour voyager. Hein. C'est bon. Mon passeport doit être encore valide, donc il faut dépêcher quand même. Parce que je ne vais pas être valide encore longtemps. Bon. Ben je t'attends. Mais dès le début, last but not least. Ensuite, Chris, tabernacle. Isabelle, même si je te connais pas encore. Prends Laurent, je pense que tu vas super. Non, c'est lourd. Yannick, un mot. C'était la je t'ai senti bon là sur ce coup-là.
Monsieur Marc Garmi, un petit mot. On va se faire bon départ, on va coucher le matin à 8h, on va faire une bonne arrivée. Oui, c'est gentil, avec tous les problèmes qu'il y a avec les avions, t'as raison. C'est sympa, ça va rassurer ma famille. Hein. Non, mais c'est bon, j'ai les terroristes dans la poche, là. Je les connais bien, ça devrait bien passer. Bon, si tu trouves le temps, tu viendras me voir. C'est pas loin. Attends, faudrait que tu trouves un successeur, hein, je sais pas. Faudrait que tu te dépêches d'en faire. Ah non, tu ne trouves pas. Non, j'ai été. Joli, vas-y. Vas-y, 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 la vache, je suis pas d'après moi. Ça s'appelle une grosse branlée. Il y a deux spécialistes là en plus avec nous. 3-0. Ouais. Non, non. 3-0, le match gagné. Bravo. Yes. Bravo. Ouais. Yes. Ça va bien. Bravo, c'est bien joué. Good game. Ça va, pas trop déçu. Coucou. On reprend les derniers des étrangers, c'est pour ça. J'avais grossi. Mais non, j'avais grossi. T'avais grossi. C'était pas du coton qui dépassait. C'était réellement moi. Ah bon. Et le truc blanc, là? Il y avait pas de truc blanc. Ah bon, d'accord. Mais il y avait pas de truc. Ça s'appelle un sein et voilà quoi. Mais il y avait pas de truc. Donc la rumeur du coton, tu déments. Mais oui, je dément le coton. Tu déments le coton. Bon, d'accord. Non, mais tu sais, aujourd'hui, il est déjà... Avantageux. Voilà. D'ailleurs, c'est tout cela que je fais venir, hein, j'ai Bon, bah Laurent, j'espère que tu reviendras pas trop clairement. Et on te souhaite beaucoup de bonheur au Canada. Bisous.